La 34e journée de Crédit Suisse Super League est désormais derrière nous. Il ne reste plus que 10 matchs jusqu'à la fin de la saison. 10 matchs au total à jouer. Et il y a quand même quelques nouvelles indications avec la journée que l'on a eue aujourd'hui. 3 matchs étaient au programme. Bonjour, vous êtes dans le temps additionnel sur Blue Sport. Et on est toujours avec Sandy Mendley et Claude Riff. Rebonjour à vous deux. Si je vous demande, c'est peut-être une petite colle, Claude, mais si je vous demande, l'information du jour, selon vous, c'est laquelle ? L'information du jour, c'est difficile à dire entre les matchs que l'on a eus. Bien sûr qu'on pense à Sion et qu'il y a eu quand même une petite réaction. Et puis peut-être une petite pensée pour Zurich qui vient d'outre-tombe parce qu'ils étaient vraiment septembre-octobre au fond du bac. Puis là, qui peut de nouveau peut-être lutter pour une Coupe d'Europe. Aujourd'hui, on n'a pas forcément une énorme qualité technique, spectacle et tout cela. Mais par contre, du suspense sur tous les terrains et à tous les étages du classement. Oui, peut-être mis à part un petit peu le match Sion-IB où voilà, c'était, il y avait quand même une classe de différence entre les deux équipes. C'est vrai qu'on a vu des matchs serrés, un petit peu aussi à l'image de ce classement qui est complètement fou et puis où on voit que voilà, tout va se jouer encore sur ces deux derniers matchs. Et d'ailleurs, on va débuter notre tour de Suisse en Valais. Paolo Tramezzani est de retour à Sion depuis lundi cet après-midi. C'était le début du 4e mandat de l'Italien sur le banc du FC Sion. Le deuxième cette saison. Et tout de suite, un cortège de difficultés sur la route du Mister. Son équipe était sixième lorsqu'il l'avait coaché la dernière fois avant le 7-2 contre Saint-Gall à Tourbillon. Il l'a retrouvé sans âme à la 10e place avec comme adversaire du jour le leader, déjà champion. Pour son retour, il s'est appuyé sur son 4-3-3 avec ses gars sûrs au milieu, Haraz, Poa, Gurgic, le trio qui avait si bien fonctionné en début de saison. En phase défensive, c'est naturellement du 4-5-1 avec le plan clair d'attendre l'adversaire et le menacer en contre, soit avec une frappe lointaine, soit en l'obligeant à commettre une faute synonyme d'avertissement comme Amenda, ici après 5 minutes de jeu seulement. Si on possède la moins bonne arrière-garde de Super League, et on sait que Tramezzani est très minutieux lorsqu'il s'agit du travail défensif. Face à la meilleure attaque du pays, tout se passe bien, Sion est cohérent et même prometteur jusqu'à cet épisode. 24e minute, à la VAR, Sandro Scherrer appelle Esther Staubli après avoir vu une main bien involontaire de Lavanchi dans le visage d'Imery. Penalty pour les visiteurs, transformé par Nsame qui rejoint Eaton tout en haut du classement des buteurs avec 19 réussites. Il faudra m'expliquer comment on défend sans mettre les mains. C'est un sport de contact, c'est un sport où les mains voilà, sont pas collées au corps. Celui qui peut dire que ma main est volontaire sur le contact avec Imery, je pense que personne ne peut le dire. Alors voilà, la règle, je ne sais pas, contact il y a, mais c'est vrai que si on a un tout petit peu de sensibilité dans le foot et qu'on comprend un petit peu les dynamiques, on voit très bien que je me retourne et le contact est totalement involontaire. Ce qui me dérange, c'est que c'est la VAR qui intervient et que c'est pas l'arbitre qui siffle directement. Si l'arbitre siffle directement, il n'y a pas de souci. Elle a vu ce qu'il y avait à voir, mais là c'est vrai qu'avec la VAR, le contact devient tout de suite plus intense en fait, on perd toute l'intensité du contact en fait sur une image au super ralenti. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, un réflexe formidable de Safarikas permet à Sion de rentrer au vestiaire avec seulement un goal de retard. Ouf de soulagement pour les Valaisans qui n'auraient pas mérité d'encaisser un second but à ce moment-là du match. Un but qui arrive finalement 5 minutes après la pause. Ziegler coupe le hors-jeu sur une passe de Benito pour Nsame. Dans cette position, le Camerounais ne tremble pas. Il devient le meilleur buteur de notre Super League avec 20 buts au compteur. Malgré un gradin or fermé après les incidents qui ont suivi le derby du Rhône il y a 8 jours, le FC Sion n'accuse pas le coup. 54e minute, Fortuné manque le cadre de justesse sur une frappe croisée. 68e, Ugrinic est totalement oublié par la défense sédunoise au second poteau sur un centre de Garcia. Sa tête termine sur le montant gauche de Safarikas. Sion est au bord de la rupture, mais réussit tout de même à menacer le champion à l'entrée du dernier quart d'heure avec Chouareff qui trouve Alabakou incapable de propulser le ballon au fond des filets. 3 minutes plus tard, Alabakou retente sa chance, mais sa frappe est trop écrasée. Facile pour Keller qui peut bloquer. Sion enchaîne un troisième match sans marquer, reste sur 11 rencontres sans victoire à Tourbillon. 2 points sur 33 possibles.
Dernier match de l'exercice à la maison ce jeudi contre Lucerne, l'une des deux seules équipes avec le FC Bâle à avoir perdu en Valais cette saison. Et oui, on vient de le voir, hein, le FC Sion qui était quand même pas très très loin de revenir à 2 buts 1 sur cette fin de rencontre. Depuis le 2-0 d'Ibé, Sion a quand même réagi, a montré de belles choses, mais sans pouvoir marquer. Sion a montré une réaction, a montré aussi un petit peu un sursaut d'orgueil. On les a vus un petit peu pousser après ce 2-0, même si ça leur a clairement un petit peu coupé dans le rythme au début de cette deuxième période. Mais c'est vrai qu'ils avaient la possibilité, surtout sur la fin de deuxième mi-temps, où Ibé a un petit peu, malgré tout, lâché un petit peu le pied, où ils avaient la possibilité, sur une ou deux occasions, si elles avaient été un petit peu mieux négociées, de réduire le score et peut-être de nous offrir une fin de match assez folle. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Young Boys était meilleur que Sion aujourd'hui, mais finalement, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même des faits de jeu qui ont changé la face de cette rencontre. Oui, tout à fait, c'est un fait de jeu, et Nouma Lavanchi a parfaitement expliqué, il n'y a rien à rajouter, je partage à 100% son raisonnement, et puis on dirait quand même que le FC Sion est un peu maudit, hein. Il y a rarement, disons, une décision qui est favorable au FC Sion. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est quand même étonnant. Et Barthélémy Constantin l'a également dit, hein, en fin de rencontre, il trouve qu'il y a deux séquences même qui sont compromettantes selon lui. La première, c'était celle-ci. Il y a eu le pénalty, évidemment, mais il y a ce hors-jeu qui est signalé de Chouareff, alors qu'on le voit sur cette loupe, Sandy, c'est un joueur d'IB qui remet le ballon en retrait. Oui, c'était alors encore le doute qu'on avait un petit peu à la mi-temps, parce qu'on n'avait pas eu ces dernières images, mais là on voit clairement que c'est un joueur d'IB qui remet le ballon en jeu, donc en l'occurrence il n'y aurait pas eu matière à siffler hors jeu sur cette action-là, et c'est sûr que avec normalement l'expulsion à ce moment-là du joueur d'IB, ça aurait changé clairement le cours du match. C'est vrai que ça aurait donné un deuxième jaune à Aurel Amenda potentiellement, parce que la faute, elle est quand même pas loin des 16 mètres. Et là, ça chamboule complètement la rencontre. Oui, ça chamboule complètement. Puis c'est étonnant qu'effectivement, la VAR intervient quand on veut pas, puis elle intervient pas quand on aimerait. Donc, il faudra qu'on m'explique un peu comment on utilise cet outil, quoi. Bon, là, c'est... Alors, du coup, j'essaye d'expliquer. C'est pas toujours facile. Mais si c'était un rouge direct, la VAR aurait pu intervenir. Là, vu que c'est un simple hors-jeu qui découlait peut-être sur un carton jaune, la VAR ne peut pas intervenir sur ce cas-là. J'espère que c'est compris pour tout le monde. Dans tous les cas, le FC Sion s'est donc incliné face à cette formation d'IB. On peut quand même le dire assez logiquement, mais heureusement pour Sion, Winterthur s'est également incliné hier face au Servette FC. Du coup, c'est un statu quo en fond de tableau avec toujours un seul point d'écart. Et je vous propose de voir le calendrier des deux formations. Sion qui affronte Lucerne et qui ira à Saint-Gall, alors que Winterthur affronte Zurich dans le derby et ensuite va à Berne. On a quand même l'impression que le calendrier de Winterthur est très compliqué. Compliqué, surtout quand voilà, on connaît aussi le résultat positif de Zurich aujourd'hui, donc ils vont pouvoir se jouer quelque chose encore eux aussi sur cette fin de championnat, donc c'est sûr que ça sera compliqué pour Winterthur. Aller jouer à IB alors qu'ils doivent fêter le titre, ça va être aussi pas facile non plus, donc voilà, un petit avantage pour le FC Sion là-dessus, mais de nouveau dans le foot, rien n'est sûr. Il y avait également un match à enjeu pour les places européennes, hein, cet après-midi. On passe au match entre Bâle et Lugano, un FCB qui était peut-être un tout petit peu groggy encore après son élimination en Conference League, hein, c'était jeudi soir face à la Fiorentina. Et pourtant, ce sont les Bâlois, hein, qui vont se créer la première occasion de but. Elle est énorme. Zekiri qui touche sur corner avec un sauvetage là, sur la ligne, très important à ce moment-là du match, Claude. Et bien préparé, on voit les joueurs viennent en mouvement. Hein, Zekiri, tout le monde attaque le ballon et c'était bien joué. Et d'ailleurs, les occasions seront quand même plutôt baloises en première mi-temps, alors que Lugano avait le ballon. Et au fur et à mesure, eh bien, Bâle va se créer cette occasion. Encore une fois, Zekiri. Là, le centre est parfait également de Kadé. Ouais, le centre est magnifique, pardon. Tendu pour les défenseurs, c'est très très compliqué de défendre. Et puis pour le gardien, bah, c'est pratiquement impossible. Donc voilà, Zekiri qui joue bien le jeu, qui est aussi maintenu en jeu par le défenseur de Lugano, qui n'est pas forcément très bien aligné. Et puis il peut marquer le 1-0. C'est marrant parce qu'à la mi-temps, on se disait presque que Bâle jouait comme il a l'habitude de faire en Conference League, c'est-à-dire se laisser dominer pour finalement gagner. Cette première mi-temps, elle était gérée parfaitement, alors qu'en face, c'était quand même stérile. Oui, effectivement.
effectivement, parce qu'il n'y avait pas d'occasion de but que de Lugano. Par contre, on a dit aussi, à la mi-temps, Crocitorti, il va faire quelque chose. Il va élever la voix, il va demander de l'intensité. Et puis, il y a eu quand même, après, cette occasion de but en 45 minutes. Effectivement. Mais la première, en deuxième mi-temps, elle est quand même pour le FC Bâle. Après, il y en a énormément pour Lugano, vous allez voir. Mais tout d'abord, celle-ci, avec le tir tout d'abord d'Augustin Sauvé et celui de Cadet qui passe juste au-dessus. On parlait avant de Sion qui a pris un but au mauvais moment. Là, ça aurait été également le même genre de moment, heureusement pour Lugano. Oui, on le savait que pour le FC Bâle, ça aurait été très judicieux de tuer le match à ce moment-là, parce que voilà, on savait qu'ils allaient peut-être avoir de la fatigue et des difficultés sur la fin du match, où Lugano aurait certainement poussé un petit peu plus. Et c'est par la suite ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai que de marquer le 2-0 à ce moment-là, ça aurait pu clairement tuer le match et puis permettre à Bâle de ramener les 3 points. On va les enchaîner, ces fameuses actions tessinoises, notamment cette première tête de Stéphane à la 51e minute de jeu. Là, ça passe au-dessus, mais c'était déjà, ça montrait que ça allait être plus dur pour Bâle. Voilà, c'est que surtout, il trouve des espaces dans le box. Donc il est complètement isolé. Ils sont même deux à pouvoir frapper. Et il y a des centres, il y a des frappes de loin, comme ce tir de Doumbia. Bel arrêt de Hitz. Oui, magnifique arrêt. On l'avait dit aussi que dans ce genre de match assez serré, comme ça avait été le cas en première mi-temps, les frappes de loin sont souvent un petit peu salvatrices. Donc voilà, il a pris sa chance, et ça passe pas très loin de l'égalisation. Vous parlez de frappe de loin. Voici celle de Mattia Botanier. On retrouve Marvin Hitz décidément sur tous les bons coups. Alors ça, c'est pas l'arrêt le plus difficile du match. On verra qu'il y en aura eu d'autres. Et que... Encore une fois, on voit bien le bloc bas, Bâlois, qui recule, qui est devant ses 16 mètres. Parce que vous parlez certainement de cette action, Claude Riff, avec un arrêt réflexe assez exceptionnel, cette fois-ci face à Stephen. Oui, un arrêt réflexe. On voit au dernier moment le défenseur qui dévie le ballon et puis il a un super réflexe et puis il arrive encore à sauver cette égalisation. On a encore cette occasion avec le tir puissant, centre-tir de Tsellar. C'est tir-centre même, mais effectivement là, il y a un tackling. Tout est ouvert. On dit mais ils sont maudits, ils vont pas y arriver. C'était assez incroyable. Et finalement, ils y arrivent. Avec ce coup franc direct, merveilleusement bien tiré, on cherche le deuxième poteau, c'est ce qu'on demande souvent aux tireurs. Exactement, c'est à montrer vraiment dans les écoles de foot, dans cette position-là, on demande toujours que voilà, le tireur essaye de viser le deuxième poteau pour que, au cas où le ballon ne serait touché par aucun joueur, il termine au fond des filets. C'est exactement ce qu'il a fait et à ce moment-là du match, c'est clairement mérité pour Lugano d'égaliser là-dessus. Et cette fois-ci, Marvin Hitz ne pouvait clairement rien, mais il va encore quand même se muer en héros parce que Lugano pouvait l'emporter. La balle du chaos, regardez, la balle du chaos. Et là, Marvin Hitz prend énormément de place. C'est clair que pour le joueur, c'est long. Hein. Quand vous portez le ballon pendant 40-50 mètres, et on voit bien le ballon par rapport à la position de ses pieds n'est pas idéal. Il se retrouve tout d'un coup avec un ballon au milieu des deux pieds et donc il n'a pas eu l'angle de tir qu'on aurait pu souhaiter. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, face à ce FC Lugano, Bâle avait quand même un tout petit peu le moral dans les chaussettes. Vous me rejoignez ? Oui et non. C'est vrai qu'on les a sentis en début de match avec un petit peu cette intensité qu'ils avaient pu mettre contre la Fiorentina. Ils ont réussi à la garder et puis la mettre en tout cas sur la première mi-temps. Et puis c'est vrai que mentalement sur la deuxième, je pense qu'aussi au niveau physique, ça devenait compliqué. Et puis ils ont lâché un petit peu plus sur la deuxième. Fatigue physique, fatigue mentale peut-être également, parce que ça s'est pas très bien terminé au niveau des nerfs dans cette fin de rencontre. On n'aime pas voir ça, mais Heiko Vogel notamment, au moment d'aller féliciter ou remercier l'arbitre prend rouge. Merci, il l'a ni félicité, parce que généralement, il n'y a pas de carton rouge quand vous félicitez et que vous remerciez. Ah bon. Donc effectivement, il a passé une grosse nervosité, mais aussi une fatigue, je pense, du coach. Il y a eu beaucoup d'événements. Regardez, il hésite, il aimerait repartir, il aimerait aller. Et puis voilà, c'est un entraîneur, un directeur sportif. Je pense que c'est bien qu'il retourne en tribune maintenant, parce que ça fait un mois et demi qu'il n'a pas le sang-froid de l'entraîneur, parce qu'il a une équipe jeune. Donc on doit montrer l'exemple. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a une première réaction qui nous vient du Parc Saint-Jacques. C'est celle d'un Luganais, Hicham Mahou. Hicham Mahou, aujourd'hui match nul pour le FC Lugano ici à Bâle. Mais Lugano peut repartir un peu déçu quand même. On repart un peu déçu. Franchement, le match aurait pu basculer d'un sens comme dans l'autre. Ils ont eu leur occasion, on a eu les nôtres. Malheureusement, on a manqué d'efficacité et c'est pour ça aujourd'hui qu'on part avec qu'un seul point.
avec la fatigue qu'avait le FC Bâle, avec la déception qu'ils ont eue aujourd'hui. Est-ce que vous n'auriez pas dû un peu plus aller les chercher en première mi-temps, être un petit peu plus entreprenant? Je pense aussi, mais après ils ont joué bien bas aussi. Ils nous attendaient. Ils ont joué à leur façon, on a joué avec la nôtre. Aujourd'hui, bah, ça a été compliqué. Ils nous attendaient beaucoup dans leur camp, donc ça a été compliqué de trouver des espaces. Ils jouaient que en contre. Ça leur a bien réussi au final, vu qu'ils repartent avec un point ce soir. Maintenant, il y a encore la finale de coupe. Il y a encore une possibilité de jouer le titre de vice-champion qui offrait une place en Champions League. Est-ce que vous pouvez encore viser sur les deux tableaux? Bien sûr, on joue sur tous les tableaux possibles. Que ce soit en championnat ou la finale de coupe, bien sûr, qui est très importante pour nous. Ça nous tient à cœur, à la ville, au club, à tout le monde. Donc on va se donner à 100% déjà pour bien finir le championnat et pour aussi pour la finale de coupe. On a sorti quand même un petit peu de déception hein, dans les rangs luganais avec cette interview d'Hicham Mahou. Je vous propose de voir ce qu'il en est dans l'autre camp avec la réaction de Fabian Frey. Fabian Frey, aujourd'hui, c'est plutôt un point de perdu pour vous ou c'est plutôt un point de gagné ou plutôt deux points de perdu? Deux points perdus à la fin, je crois, 85 minutes, le plan, il a fonctionné. Claire, c'était pas le meilleur match pour regarder pour les spectateurs aujourd'hui, mais aux situations qu'on est, tu dois gagner des points. On devait gagner les trois aujourd'hui à la fin. Ouais, très, très déçu, Claire, avec le résultat, mais il y a encore deux matchs. Justement, par rapport à la fatigue qu'il y a eu avant, par rapport au match de jeudi et les déceptions, est-ce que le FC Bâle pouvait plus aujourd'hui ou vous étiez à vos limites? Non, c'est clair que le plan du match, il était un peu comme ça, qu'on n'a pas assez de possession comme normal. C'était à cause du fatigue, mais tu peux jouer le foot comme ça. Normalement, c'est les autres équipes qui jouent comme ça contre nous. Aujourd'hui, c'était à nous. Et comme je dis, 84 minutes, le plan, il a fonctionné. Et comme ça, ouais. Comme je dis, c'est pour les spectateurs pas vraiment super de regarder, mais si tu gagnes à la fin, ouais, c'est égal. Ce joueur était évidemment Fabian Frey et non pas Blérim Dzemaili. Vous aurez peut-être remarqué la petite copie, mais ça me permet de passer au dernier match de l'après-midi puisque le FC Zurich de Blérim Dzemaili était en jeu également aujourd'hui dans le derby zurichois face à Grasshopper. Les sauterelles placées dans la course à l'Europe alors que c'était un peu la dernière qui sonnait pour le FCZ, mais en cas de victoire, ils pouvaient excellemment se replacer. Début de rencontre plutôt à l'avantage de Getze. On le voit à la 8e minute, première occasion. C'est Demassaï qui déborde, but de Pušić, on le sait, l'arme de la passe en retrait, c'est toujours extrêmement primordial. Oui, une magnifique action avec voilà, un appel en profondeur qui met tout de suite un petit peu la défense du FCZ en difficulté. Des milieux de terrain qui accompagnent parfaitement l'action et puis Pušić qui peut placer le plat du pied et puis ça laisse aucune chance au gardien. Alors c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière, mais Petar Pušić, c'est un joueur qui revient en forme. Voilà, qui revient parce qu'il était blessé, il n'a pas toujours été titulaire et puis là il commence à remarquer des buts. Sauf erreur, ça doit être son cinquième. Mm-hmm. Et donc, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui est attractif quand il est en forme. Et donc, on espère qu'il va maintenant ressurgir la saison prochaine. On l'avait découvert notamment en Challenge League, hein, lorsque Grasshopper était en deuxième division. Il avait énormément fait de mal aux défenses adverses. Dans cette rencontre, le FCZ va revenir. C'est à la 24e minute que le FC Zurich égalise sur cette tête de Cambéry montée aux avant-postes. Centre signé Guerrero. On se souvient quand même que Guerrero, c'était l'un des meilleurs passeurs la saison dernière. Il le prouve encore, il n'a pas perdu sa patte. Non, il lui met une magnifique galette, comme on dit. Et puis c'est vrai que Cambéry fait aussi le travail de ce côté en anticipant bien le centre, en passant devant l'adversaire. Et puis il arrive à la décroiser parfaitement. Une galette, je me souviendrai du terme. Du coup, en parlant de galette, alors il y en aura une plus tard de Blérim Dzemaili. D'abord, on va voir son but, puisque le FC Zurich va prendre l'avantage sur cette passe de Boran Ilazevic. Et Dzemaili joue très bien le coup contre Moreira. Oui, il joue très très bien le coup. Il y a aussi une passe magnifique qui élimine 5, 6, 7 joueurs. Et puis c'est une jolie histoire, puisqu'il a annoncé cette semaine son arrêt du football au plus haut niveau et qu'il arrive à marquer. C'est tout à fait dans son style. C'était un joueur qui était remarqué il y a une vingtaine d'années par Lucien Favre à Zurich et qui était justement ces joueurs qui arrivaient, on les appelait les box-to-boxers de 16 mètres à 16 mètres, aussi dangereux offensivement que présent défensivement. Une magnifique carrière, Blérim Dzemaili. Magnifique image, magnifique carrière. C'est vrai que j'ai noté notamment international à 69 reprises, des coupes en Suisse, en Italie, en Turquie, trois championnats. C'est une superbe carrière de Dzemaili.
Oui, c'est magnifique, c'est remarquable ce qu'il a pu faire, que ce soit en club ou même avec l'équipe nationale. C'est une belle histoire de pouvoir encore marquer, je pense, lors d'un derby. Ça va être un souvenir, à mon avis, particulier pour lui, surtout si ça peut aider le FCZ peut-être à décrocher une place européenne cette saison. Donc voilà, un super joueur. Et puis, on a un petit peu l'impression que, voilà, depuis qu'il est un petit peu libéré et qu'il a pris vraiment cette décision d'arrêter sa carrière, on le sent vraiment profiter de chaque instant sur le terrain et à mon avis, il va faire encore mal ses prochains matchs. Et un grand joueur qui n'a pas perdu sa patte, hein, à 37 ans, on va avoir cette fameuse galette, comme dirait Sandy, la passe est magnifique. Et c'est elle l'une de ses forces. Oui, c'est une de ses forces. C'est que justement, dans les 30 derniers mètres, il est dangereux. Il couvre du terrain des 16 mètres aux 16 mètres, alors qu'on revoit cette action. Il a marqué 11 buts en équipe nationale. Il faut le faire, hein, comme milieu de terrain, une cinquantaine dans sa carrière. Donc voilà, c'est un joueur très, très complet. Et puis quand même, la durée, c'est presque 20 ans de carrière. Et puis là, je pense qu'il faut avoir du respect pour ceux qui tiennent 20 ans, alors qu'on voit qu'il y a des joueurs qui ont 32 ans, qui n'ont plus du tout goût à jouer au football du côté du Valais, par exemple. Et en plus, je pense à Balotelli. Par exemple. Pour moi, c'est d'une tristesse quand je vois un joueur si talentueux qui n'aime plus le foot, en tout cas qui ne le montre pas, et puis un joueur de 37 ans qui joue comme ça, il y a quand même un monde entre les deux. Et autre grand point positif, Blérim Dzemaili, à force, s'est mis au français. On l'a à l'interview après ce but marqué et ce but vainqueur pour le FC Zurich. Blérim Dzemaili, vous avez un énorme sourire sur le visage et on le comprend, match winner du derby zurichois, ça fait toujours les mêmes frissons. Oui, bien sûr. Avant le match, on a dit qu'on a les derniers trois matchs, qu'on peut arriver à la cinquième place. Et je pense qu'on doit faire tous pour arriver à la cinquième place. Et on a fait maintenant, dans janvier jusqu'à maintenant, on a fait un bon championnat. Et je pense qu'on doit continuer les derniers deux matchs comme ça et après on va voir. La victoire, elle était fondamentale pour obtenir éventuellement cette cinquième place. Et dans un derby, ça donne encore plus de valeur à la victoire? Mais bien sûr, on a gagné deux derbys. Cette année, on a gagné plus de derbys. Pour nous, ça c'est important. Le derby, c'est la ville. Et on est avant dans la ville cette année. Ça, c'est important. Et vous-même, trois matchs avant la fin de votre carrière, le but décisif, vous sortez, tout le monde se lève. Vous êtes rappelé deux fois par la Sud Courvée. Comment c'est dans le ventre, dans le cœur, après une telle après-midi? Oui, c'est difficile. Moi, j'aime jouer au foot. Cette émotion, c'est grand. Et je sais que le dernier match, ça va arriver. Et ça va être très dur pour moi parce que le dernier pour ma carrière. Mais je pense que j'ai trop, très content. Qu'est-ce que j'ai donné à FC Zurich? Qu'est-ce que le FC Zurich m'a donné moi? C'est beaucoup. Et je suis seulement content pour le club, pour moi, pour tous. Et je veux dire seulement merci. Ça, c'est les choses plus importantes. Des belles images, des belles paroles également de Blérim Dzemaili et un beau résultat aujourd'hui, surtout pour le FC Zurich avec donc cette victoire 2-1 face à Getse. On est directement sur le classement. Voilà, voici les résultats. Ils sont là avec des victoires à l'extérieur pour IB et pour Servette face aux deux cancres de la Ligue, Winterthur et Sion. Il reste donc un point d'écart entre ces deux formations. Les très bonnes opérations, enfin la très bonne opération pour moi, elle est quand même pour le FC Zurich. Vous le voyez, pour la 5e place, 43, 43, 41, 41. Ça s'annonce chaud, Claude. Ça s'annonce même très chaud. Alors, dans un championnat, 10 équipes et puis 5 places européennes, c'est chaud. Avec une ou deux places pour la relégation, bah, c'est chaud. Enfin, c'est chaud partout. À part le titre, c'est vrai, qui était quand même largement attribué et prématurément attribué à Young Boys. On se réjouit des deux dernières journées, évidemment. On arrive en fin de saison. Du coup, il est temps de vous proposer notre équipe type de la saison. Blue Sport a dû faire des choix. Vous avez découvert hier Mattia Crocitorti comme coach, ainsi que Marvin Hitz comme gardien. Il est temps de découvrir la ligne des quatre défenseurs. Blue Sport a choisi ses défenseurs. Latéral gauche, Ulysse Garcia. Il n'y a pas eu faute, le jeune voix aux origines capverdiennes a clairement fait l'unanimité. Et il a tout du latéral moderne. C'est un infatigable travailleur, il est solide défensivement et il a surtout une remarquable qualité de centre. Pas étonnant qu'il fasse partie des tout meilleurs passeurs de Super League. À 27 ans, celui qui avait tenté la Bundesliga pourrait à nouveau quitter IB prochainement avec 4 titres de champion en poche.
Défenseur central, Cédric Cessiguer. Xamax, Getze, Ibé et dès la saison prochaine, Wolfsburg. Cessiguer a franchi 1-1 les paliers le rapprochant du plus haut niveau. Leader vocal et dans le jeu de la meilleure arrière-garde du pays, le défenseur de 24 ans a su se rendre indispensable aux yeux de Raphaël Vicky. La Super League est désormais trop petite pour son talent, le temps est venu de s'affirmer dans un grand championnat européen. Défenseur central, Kazim Adams. On l'avait découvert en 2016 sous le maillot de IB et sous le patronyme de Kazim Nouhou. Après un passage en Allemagne, le Ghanéen est de retour en Suisse au FC Bâle. Sa taille et son jeu de tête font de lui un élément indispensable dans le jeu bâlois. La preuve, sans lui en Super League, le FCB ne gagne pas. N'oublions pas en plus qu'Adams, par son expérience et sa solidité, a permis au Rhénan de réussir une superbe campagne européenne. Latéral droit, Pius Dorn. L'Allemand de 26 ans est une pièce maîtresse sur le flanc droit du FC Lucerne. Pour sa deuxième saison en Super League, Dorn a clairement franchi un palier. Pouvant être aligné autant en défense qu'au milieu, l'ancien joueur de Thun est très actif et amène souvent le danger de son côté. Sa polyvalence lui permet d'intégrer le 11 de Bluesport. Tantôt passeur décisif, tantôt buteur, le Lucernois sait décidément tout faire. On a tous voté sur ce plateau pour définir ce 11 type. C'est exactement, Sandy, la défense que vous nous aviez proposée, la fière allure. Bah ouais, je pense que c'est pas mal. Si on pouvait avoir une équipe comme ça dans une compétition européenne, je pense qu'on aurait à craindre personne. Donc voilà, une défense très solide avec Adams et Cessiguer dans l'axe, des réels piliers dans leurs équipes respectives. Et puis avec des latéraux modernes, comme on l'a dit dans le sujet, qui apportent toujours le danger sur leur côté. Claude, deux joueurs de Young Boys avec Cessiguer et Garcia dans cette défense. Logique, mais je sais que vous auriez peut-être voulu un troisième. Oui, éventuellement, parce que quand on voit le nombre de buts encaissés par Young Boys, mais voilà, c'est démocratique, tout le monde a choisi et je respecte tout à fait le choix. Tip top. Vous aurez l'occasion de voir encore les milieux de terrain, ce sera pour jeudi, et les attaquants pour la dernière journée, match day 36, le lundi de Pentecôte. Merci du coup à vous de nous avoir suivis pour cette journée riche en émotions et en suspense. Prochain studio, on l'a dit, jeudi soir, rendez-vous inhabituel pour la 35e journée de Super League, car les 5 rencontres auront lieu en même temps. Match à 20h30, studio dès 20h, n'oubliez pas, avec notamment Sion Lucerne au programme. À bientôt, Sandy, Claude, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi et cette saison. On n'oublie pas également match après match, évidemment, qui arrive dans quelques minutes pour parler notamment de la 4e arrivée de Paolo Tramezzani à Tourbillon. Rendez-vous 19h30 avec Mike Perez et ses invités. Belle soirée à toutes et à tous sur Bluesport.